et je suis très 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 heureuse hein, de vous retrouver pour vivre cet événement, l'événement sportif qui anime tout le continent. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée des phases de poule qui commence à 20h, un choc dans le groupe B entre l'Égypte et le Ghana, mais avant cela, place au groupe A, le groupe de la Côte d'Ivoire, bien sûr, avec euh, ben, en entrée de journée hein, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau au coup d'envoi, à 14h, suivi du gros Côte d'Ivoire, Niger. À 17h, y a-t-il des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire ici? Ah Et comme d'habitude, ce sera une ambiance de folie, oui, grâce à notre public, mais également grâce à nos trois consultants du jour qu'on va retrouver maintenant. Il est international béninois, il est avec nous depuis quelques jours. Bonjour, Michael Poté. Bonjour, Tia. Comment allez-vous Bien, merci. Bon, et bien, comment se passe votre canne ben, ça se passe bien, hein. il y a des beaux résultats. Et puis surtout, là, aujourd'hui, on va parler de, voilà, de la Côte d'Ivoire. On attend, j'ai hâte, hâte de voir ce match. Ah ouais, avec un gros, gros choc face au Nigeria, ce sera dans quelques instants. Il est euh, oui, notre légende. Notre légende hein, sur ce plateau, champion d'Afrique 92, monsieur Thierry Joël, sous vos applaudissements. applaudissements euh, bonjour Joël. Comment allez-vous Salut Thierry, salut. Euh... Michael, Michael <laughs> salut Eric. Ben, je suis très heureux de retrouver le plateau cet après-midi. Oui. Et nous, aurons, nous allons voir un très bon match. Pour ne pas entre, dire trois très bons matchs. Trois très bons matchs, mais celui de 14h déjà qui sera décisif. Parce que euh, entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, ben, celui qui perd aujourd'hui. Euh, voilà. On dira au revoir à la Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Donc déjà, une grosse rencontre. Et puis, euh, bah, notre consultant, notre consultant maison, oui, notre Babou Eric, qu'on va applaudir également très fort. <laughs> Ça va bien Super bien. Ouais en forme euh, et puis et vous avez mis une belle chemise verte. Merci. Ah euh, oui pour l'occasion. C'est des circonstances. Exactement, <laughs> exactement. Bon ben voilà, vous l'avez vu, hein, donc gros programme cet après-midi, euh, trois très belles rencontres dont la première qui, comme le disait Thierry Joël à l'instant, peut déjà être décisive. Mais avant d'en parler, eh bien nous allons revenir. Non, nous allons regarder quelques images. Tiens, euh, des Bimpé. Bah oui, parce qu'il se passe déjà plein de choses. Il y a les équipes hein, qui sont à l'échauffement. Voilà, on voit. Euh, bah oui, c'est beaucoup de consensus. Les gardiens également, il ouais, n'y a pas que les joueurs de champ, les gardiens également euh, sont en train euh, de s'échauffer voilà, pour euh, une grosse rencontre euh, qui va peut-être dire au revoir à l'une des deux équipes hein, de la compétition. Voilà, on ira euh, de temps en temps euh, voir ce qui se passe hein, du côté des BIMPE euh, avant, euh, avant la rencontre. Alors je le disais, on va revenir hein, sur les matchs d'hier. Il s'est passé beaucoup de choses. Pas mal de buts aussi, à l'instar de cette euh, première rencontre Maroc-Tanzanie, puisqu'on a assisté hier hein, à une démonstration de la part du Maroc face à cette équipe tanzanienne. Les Lions de l'Atlas hein, se sont facilement imposés. Trois buts à zéro contre les Taïfa Stars, qui euh, ont fini à 10 après l'expulsion de Dismas à la 70e minute. Alors, côté euh, marocain, les buteurs, hein, euh, Saïs, bien évidemment, à la 30e minute, suivi euh, d'Ounaï à la 77e et enfin N. Nasri hein, qui a euh, vraiment enfoncé le clou à la 80e minute. On peut le dire, un début de compétition idéal hein, pour les Lions de l'Atlas. Alors, Michael Poté, c'est vrai que sur le, sur le papier, c'était euh, une rencontre qui euh, était déjà assez déséquilibrée, mais est-ce que vous vous attendiez à un tel score On va dire un petit peu, même si avec euh, les matchs précédents qu'il y a eu, on était toujours un peu sceptique et... On se disait que voilà, tout peut arriver. On a eu déjà des surprises. Mais quand même, voilà, le Maroc, je pense, a été euh, la dernière équipe entre d'Afrique du Nord, du Maghreb, à jouer contre une équipe subsaharienne. Donc ils il s'attendaient un petit peu à ne pas tomber dans le piège. Et je pense que ça a été réussi. Ils ont montré leur statut de favori avec brio. Alors, une première mi-temps euh, où on n'a pas vu grand-chose, juste ce but sur pied arrêté. Mais non, voilà, en deuxième mi-temps, ils ont su faire la différence, notamment aussi avec ce. Ce carton rouge qui leur a facilité la tâche mais ils ont montré quand même leur supériorité et je pense que voilà j'ai vu regarde un peu les images à la fin du match ils sont restés très sereins. Et je pense qu'ils sont déjà concentrés pour le prochain match. Exactement. Et après, euh, c'est Maroc-Tanzanie. Eh bien, nous avons eu la République démocratique du Congo face à la Zambie. Un but partout. Hein. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre et cette confrontation. Euh, les Chipolopolo ont pris l'avantage dans le match dès la 23e minute avec le but de Kings Kangwa. Mais c'est une domination qui n'a pas duré. Hein. Quatre minutes plus tard, le but Zambi... après ce but zambien, la République démocratique du Congo est revenue dans le match. À la 27e minute, Johan Wissa marque et remet les deux équipes à égalité. Alors, quand on regarde les stats hein, de cette rencontre, à savoir 25 tirs pour la République démocratique du Congo contre 3, 6 tirs cadrés contre 1, 57% de possession contre 43%. Bon, on voit que la RDC a dominé, hein, mais a jamais réussi à marquer ce deuxième but qui l'aurait complètement libéré. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, Thierry Joël Écoutez, nous avons vu une équipe de la Gambie qui était bien en place et qui a eu cette réussite de marquer le premier but. Et puis euh, voilà, le Congo a, a forcé, le Congo a forcé ils ont poussé, poussé et, et je crois qu'ils ont eu aussi cette chance-là d'égaliser. Mais pour moi, il y a eu, le match a été équilibré. Voilà, ch ch chacune des équipes a eu sa mi-temps. Euh, comme vous le disiez, la, la, la Zambie euh, en première mi-temps et le Congo en deuxième mi-temps. Donc, euh, pour moi, ça a été un match nul euh, euh, mérité. Logique. Logique, oui. Voilà. Alors, euh, cette, euh, cette équipe zambienne, bon, on la connaît hein, parce qu'elle nous a fait du mal hein, en 2012 <laughs> en finale. Euh, Eric Babou, est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui peut nous surprendre lors de cette édition Oui, au vu de ce match-là, on a retrouvé un peu l'ADN de cette équipe-là, euh, cette équipe qui nous a fatigué, on se rappelle, on va, on va oublier ce souvenir-là, mais on a vu euh, cette ADN-là, on a vu les, les éléments qu'elle avait portés avec euh, Hervé Rénard. On a vu une équipe solidaire, on a vu une équipe compacte, volontaire, très combative. C'est pour ça qu'elle a pu résister à la furia des, des Congolais, parce qu'ils ils, ils ont attaqué hein, énormément. Vous avez, vu, vous avez lu les stats tout à l'heure, hein, mm -hmm. c'est une équipe congolaise qui allait vraiment à l'abordage. Mais elle a, pu, elle a su résister, elle a su faire le doron. Voilà, C'est une équipe, euh, on va dire des zombies, euh, qui porte des valeurs qu'on connaît, qui les a portées jusqu'à la victoire finale euh, aux de, au dernières cannes. Donc, espérons qu'on va garder cet esprit-là. Absolument. Allez, euh, bah, quelques images, oui, des bimpés, parce que l'ambiance commence vraiment à monter. Euh, on a notre mascotte, Aquaba, notre belle mascotte. Moi, je l'aime beaucoup, hein, cette mascotte. Je ne sais pas pour vous, hein, messieurs. Mais en tout cas, voilà, Aquaba, hein, qui est en train de faire le, le tour du stade pendant que les joueurs euh, continuent à s'échauffer. Ben euh, oui, quelques petits pas de danse. danse C'est ça, hein, la canne de, de la joie, la canne de la bonne humeur, la canne de l'hospitalité. Et sur ces belles images, eh bien, on va aller à la pub. Et juste après, eh bien, on parlera de cette rencontre qui nous réunit, hein, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau. 14h, un coup d'envoi de ce Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, comptant pour la deuxième journée de ce groupe A, groupe de la Côte d'Ivoire. Et ben, nous sommes en plateau avec Michael Poté, avec Thierry Joël et avec Babou Eric pour en parler. Alors, messieurs, eh ben, écoutez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, déjà avec quelques images hein, des Bimpe. voilà Les joueurs qui continuent leur échauffement. Ben, oui, on est à quelques minutes comme ça de ce coup d'envoi. Thierry Joël, vous le disiez un, un, un match qui va être peut-être décisif pour l'une des deux équipes. Euh, et on va retrouver notre correspondant euh, qui est sur place, Yves Boris Vé. Bonjour, est-ce que vous m'entendez Allô Yves Boris Bonsoir à tous vos consultants sur le plateau et bienvenue à FDMP. Nous sommes à quelques, quelques enclavures euh, du stade et ici c'est le dernier checkpoint. Où les supporters descendent pour radier le stade à pied. Il y a une belle ambiance qui règne ici aux alentours de ce stade. Une bonne ambiance, une ambiance chaude. Les supporters sont motivés. Ils vont aller regarder d'abord le match Guinée-Équatorale-Guinée-Bissau. Et puis par la suite, ils vont mettre l'ambiance qu'il faut pour le match Côte d'Ivoire-Nigéria. Vous pouvez tout de suite la et constater de vous-même la belle ambiance qui règne ici. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Boris. Ça fait plaisir hein, que la population réponde, euh, réponde présent euh, à, bah oui, à cette belle rencontre hein, Côte divoire Nigeria. Euh, mais avant cela, bah oui, il y a Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau et on espère en toi que les, les, les tribunes... Hein, Vont commencer à, à vraiment se remplir oui. alors euh, la guinée équatoriale la guinée équatoriale parlons-en hein, cette équipe qui a fait déjouer le nigeria lors du premier match on va tout de suite regarder la, la composition la composition d'équipe de cette euh, de cette équipe donc du, du, de la guinée équatoriale avec dans les cages euh, Owono, on en parlera, hein, il a été exceptionnel. Euh, derrière, en défense, on a Acapo, Nandong, Coco et Obiang. Au milieu de terrain, Bicoro, Salvador, Machin, Sam, Comitré. Et devant, eh ben oui, le clinique, hein, Nsue, le capitaine que vous connaissez très bien, Michael Poté, ouais, ouais. un système en 4-5-1. Alors, euh, est-ce que cette équipe de Guinée équatoriale est euh, archi favorite dans cette rencontre oui au vu du, du, du premier match oui on va dire que par favori maintenant on l'a vu hein, c'est pas des matchs faciles on voit un peu la configuration des derniers des, des, des oppositions donc elle devra se, col se, col se, col se colter cette équipe-là. Hein. Ce ne sera pas un match facile parce qu'en face, il y a une belle équipe qui a envie de, de, de prendre des points. C'est pratiquement le match décisif pour ces deux équipes. Ce ne sera pas un match facile pour la Guinée équatoriale. C'est pour ça que vous voyez son, son système. Hein. C'est pratiquement un milieu de terrain renforcé. Hein. Vous voyez cinq pratiquement au milieu du terrain, et puis une souhait qui est devant, mais ça va débouler hein, de tous les côtés. Ils vont venir l'accompagner pour pouvoir renforcer aller à l'abordage. Mais hein, ils savent, je pense qu'ils auront un match difficile aujourd'hui. Alors je disais, hein, le gardien o e euh, pardon qui a été impérial lors du premier match, euh, est-ce que c'est lui l'atout numéro un de cette équipe Oui, il a, il, a, il a fait un très bon match euh, contre le... Contre le Nigeria, je crois, ouais, ah, oui. Contre le Nigeria. Voilà, il a, il, a, il a sorti beaucoup de ballons et je pense que pour moi, c'est un atout pour cette équipe équateur-guinéenne. Mm -hmm. Maintenant, au vu de euh, la disposition de cette équipe, c'est vrai, Eric l'a dit, euh, mais pour moi, euh, voyant cette équipe, je pense que qu'elle va procéder par, par les côtés. Et donner des ballons à, à l'avant-centre pour, pour, pour pouvoir concrétiser ces, ces actions-là. Mm -hmm. Et voilà, c'est une équipe qui a mis en difficulté le Nigeria. Et pour moi, cet après-midi, euh, je pense que. Euh, voilà. bon. elle, elle peut faire quelque chose, elle peut faire un résultat. Elle va faire un résultat, forcément. Ah, la dernière fois que vous avez dit ça, attention, oui. hein, vous êtes trompé sur oui. toute <laughs> la ligne. <laughs> Tiens, Joël. Alors parlons de Nsue, que vous connaissez bien, hein, vous avez, avec qui vous avez joué. Oui, c'est ça, oui, oui, si, si ouais, je connais bien. Il a fait un bon début de canne, il a fait un bon match sérieux, plein d'abnégation comme on le connaît, comme je le connais. Euh, C'est un battant, voilà. il a mené son équipe vers le haut. Et aussi, comme je le dis, la Guinée équatoriale a une belle colonne vertébrale, en commençant par le gardien et le défenseur que j'ai bien aimé, euh, Coco. Mm -hmm. Et Bou Salvador qui avait fait une belle canne précédente et là encore qui confirme avec un beau but, un bon petit milieu de terrain. Et devant Ensué qui est à la qui va dire qui ferme cette colonne vertébrale et qui, qui voilà qui se bat et qui sait que qui a eu qui a eu su qu'il a pas eu qu a pas eu beaucoup d'opportunités contre le Niger mais qui s'est battu qui a montré sa présence là maintenant la Guinée équatoriale va partir peut-être sur ouais sûrement on va dire même sur ce statut de, de favori donc ça sera différent ils ont mis la même composition que que le match précédent mais euh, moi je voulais quand même je suis assez curieux de voir la Guinée-Bissau parce que je pense que le premier match contre la Côte d'Ivoire c'était euh, l'arbre qui cache la forêt parce que voilà, c'est le premier match. Tu joues le pays hôte. Voilà, le contexte, voilà, était, le contexte quand même... était différent. Ouais. Aujourd'hui, je suis curieux de les voir donc, parce que quand même, ils ont montré quelques phases intéressantes contre la Côte d'Ivoire. Donc, il faudra, faudra voir. J'espère en tout cas, on aura un beau match cet après-midi. On l'espère. Allez, marquons une nouvelle pause. Et après cela, et bien, on s'intéressera à l'équipe de la Guinée-Bissau tout de suite. Ah c'est toujours l'échauffement hein, du côté euh, du stade euh, olympique. À la Ouattara de on voit les deux équipes voilà, qui sont en train de faire les, les, les derniers exercices hein, avant de retourner au vestiaire et euh, de faire ben, la sortie officielle. Puisque le coup d'envoi est prévu pour 14 h Alors on va parler maintenant à Monsieur de la Guinée-Bissau hein, qui s'est incliné face aux éléphants. C'était au match d'ouverture, euh, une défense qui a cédé malgré un bloc bas. Alors quelles sont les chances de cette équipe bissau-guinéenne dans cette rencontre Thierry Joël Nous avons dit que la guinée équatoriale partait favorite, mais n'oublions pas que voilà c'est un match de football et je l'ai dit tout à l'heure, celui qui perd cet après-midi, bon peut-être que voilà, elle réduira ses chances, mais la Guinée-Bissau, euh, pour moi, euh, je pense qu'elle ne va pas venir là, euh, voilà, en termes de vaincu, mais elle va jouer pleinement, mm -hmm. et puis euh, essayer d'avoir des situations, et puis bon... Euh, D'un autre côté, elle n'a pas le choix. Hein? Voilà, elle n'a pas le choix, puisqu'elle a perdu son premier match, mm -hmm. même un match nul, bon, ça peut, ça peut, ça peut aller, parce qu'un euh, match nul, euh, le dernier match, ça va être chaud contre le Nigeria, mais bon... On ne sait jamais. Exactement. Voilà pour On moi, peut elle... le dire. Hein, cette équipe de Guinée-Bissau, elle est déjà dos au mur. Oui, c'est clair. C'est un match décisif. Euh, elle n'a pas le choix. Il faut aller chercher euh, les trois points. Euh, c'est vrai qu'on ne va pas la juger sur le premier match. On l'a dit tout à l'heure. Il a si bien dit, Michael. Le contexte était différent. Là, c'est maintenant. C'est son match. C'est là. Il faut qu'elle montre toutes ses capacités pour pouvoir euh, engranger les trois points. Euh, on espère pour elle. Sinon, derrière. Il y a un gros match contre Exactement. Nigeria. C'est là. C'est en ce moment qu'elle a joué sa canne. Il faut qu'elle arrive à prendre les trois points. C'est un moment décisif pour cette équipe. alors Malgré tout, lors de ce premier match, on a pu quand même déceler quelques individualités, notamment euh, Alpha Semedo, qui a sans doute été le meilleur joueur hein, de ce premier match. Est-ce que c'est peut-être de lui que euh, le, le déclencheur va, va partir ouais, Il y a de fortes chances. Ouais, en tout cas, il a montré de belles choses sur le premier match. Maintenant, après, voilà. Et là, ils ont besoin de vraiment tout le monde hein, dans ce. Ce genre de situation, de rencontre, euh, voilà, ils vont donner le maximum. Et euh, s'ils arrivent à concrétiser les actions qu'ils ont eues à manquer contre la Côte d'Ivoire, s'ils arrivent à être un peu plus adroits devant les buts, attention, parce qu'avec euh, l'enjeu qui change, qui est différent, une victoire leur est vraiment euh, importante, primordiale, limite. Donc, euh, voilà. Maintenant, compter que sur un joueur, certes, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils, ils vont vraiment devoir faire preuve de solidarité. Ouais. Alors, tu sais, Joël, rapidement, euh, certains pensent que finalement, le point faible de cette équipe euh, bissau-guinéenne, c'est la défense, avec un euh, Sangante qui n'a pas été bon hein, sur le premier match. Vous êtes d'accord avec eux ou pas Oui, il n'a pas été bon, mais moi, ce que j'ai remarqué sur le premier match, ils ont un collectif, un bloc vraiment qui, qui, qui se met en place lorsque euh, ils perdent le ballon. C'est vrai que la, la Côte d'Ivoire a été supérieure, mais euh, cet après-midi, je pense qu'ils vont jouer aussi ce bloc-là, comme l'a dit Michael, pour aller chercher très rapidement des vents, parce que c'est ce qui va se faire, et pour pouvoir marquer au moins, au moins, au moins un but. D'accord. Ouais. Allez, on marque une euh, toute petite pause. Et avant de prendre la direction hein, du stade euh, Alassane Ouattara-Debimpe, pour ce euh, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. À tout de suite le temps de regarder la composition de cette équipe de la Guinée-Bissau. Une équipe eh bien, avec euh, dans les cages le, euh, le goal, oui, Djoko, qui sera, euh, eh bien, qui, on l'espère, hein, sera décisif dans cette rencontre. Euh, donc un système en 4-3-3, Joko hein, dans, dans les cages. Euh, en défense, Nkada, Mané, Djalo, Kande. Au milieu de terrain, Kassama, Bikel, Semedo. Et devant, eh bien, Rodriguez, Baldé et euh, Djouf. Sur le côté, alors, euh, bah oui, c'est Joël, un hein, mot sur voilà, le compo L'entraîneur a donné le temps, hein. 4-3-3, ouais. mais je pense que, je crois qu'ils vont aller pour la victoire. Ah, ils ne sont pas venus là pour, euh, ouais. pour rester attentifs. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est clair. Hein. Euh, J'ai été un peu déçu euh, de balder lors du premier match. Je trouve qu'en tant que joueur, quand même, évoluant peut-être dans l'un des, des meilleurs clubs de son équipe, euh, a manqué vraiment de, de maladresse. Euh, maintenant, voilà, là, vraiment, aujourd'hui, on aura besoin d'un grand Baldé, comme d'un grand Semedo, comme euh, d'une grande équipe de Guinée-Bissau pour rivaliser avec la Guinée équatoriale qui, qui va tout, tout donner, qui va confirmer son beau match contre le Nigeria. Alors, maintenant qu'on a toutes ces informations, euh, et, bah, Eric, vous vous attendez à quoi comme rencontre euh, Je pense que ce sera un match ouvert. Forcément, ces deux équipes ont besoin de victoire. C'est un match ouvert. Cette équipe Guinea-Bissau va aller à l'abordage, va l'attaquer. Vous voyez 4-3-3. Et puis rappelez-vous, le premier match, certes, le conteste. Et puis c'était la Côte d'Ivoire, mais elle n'a pas été ridicule. Et puis en plus, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a certes gagné, mais elle n'a pas été flamboyante. Ça veut dire qu'en face, il y avait une bonne opposition. Donc, elles doivent, on va dire, s'asseoir sur ces acquis là déjà, et puis pouvoir construire sur ce match-là. Et on doit voir balder. On doit, on doit plus le voir, évidemment. C'est le leader de cette équipe-là. Ouais. Et puis les autres, Kassama, Bikel, Semedo, au milieu de terrain, ils doivent être plus actifs. Quand la Côte d'Ivoire, ils nous ont mis en, en difficulté par moment. Hein, au milieu ouais. de terrain, on a senti qu'on était en difficulté au milieu de terrain, ça veut dire que c'est un bon milieu de terrain. Et là, ce milieu-là doit monter en puissance. Parce que là aujourd'hui, c'est la victoire où... Ouais. C'est retour à la case départ. <laughs> la un peu d'ironie là. <laughs> Attention. Alors, euh, bon, on, on va pas tarder à y aller. Euh, rapidement, elle va se jouer à quoi Elle va se jouer sur quoi cette, cette rencontre Vous savez, un match de football, il y a des détails. Voilà, il y a des détails. Et je pense que cette équipe de Bissau-Guinéenne, là, va jouer aussi ces petits détails pour pouvoir euh, l'emporter. Voilà, et pour moi, elle a fait à lui, en tout cas, elle a fait à lui parce que n'est pas venue jouer un bloc bas. Et un 4-3-3, ça veut dire que l'entraîneur a mis l'équipe pour gagner. Mm -hmm. Oui, euh... oui c'est ça, bien mm -hmm. sûr. Ouais, je confirme. Je pense que la composition montre qu'ils voilà, ne sont pas venus pour normalement jouer le même type de match qu'ils ont joué contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils vont devoir faire quand même attention, attention au contre. Ils vont devoir être prudents. Et ça va jouer, c'est ça, sur des petits détails. Et en même temps, sur le mental aussi. Le mental et l'équipe qui gagnera, celle qui aura fait preuve de plus d'abnégation. Et... Aujourd'hui, on va savoir vraiment. Euh, ça va être vraiment déterminant pour la suite. Ouais. Alors, quand on est dos au mur, hein, comme l'est euh, aujourd'hui euh, la Guinée-Bissau, c'est quoi le discours du, du sélectionneur ben, Il faut gagner. Il faut gagner. On a perdu le premier match. Il faut gagner celui-là. Et puis, attendre le troisième match, voir ce qui va se passer. Parce qu'après aussi, il euh, euh, y a la Guinée-Équatoriale contre la Côte d'Ivoire. Donc, euh, c'est un match aussi qui va être. Euh, euh, différent de celui euh, de celui qu'a joué notre, euh, notre équipe euh, mm -hmm. contre la Guinée-Bissau mm -hmm. donc oui, pour euh, en chérie, je dirais voilà. que cette équipe a mangé son peignoir afin de jouer contre la Côte d'Ivoire mm -hmm. mm -hmm. mais l'autre doit rencontrer ah, les sûr. éléphants donc, donc finalement ça, sa compétition commence ah, oui effectivement c'est maintenant que sa compétition commence et puis il n'y a qu'un point mm -hmm. faut, faut, ah oui c'est juste un point hein, entre les deux équipes mm -hmm. donc euh, eux aussi ils doivent gagner mm -hmm. donc euh, voilà c'est un match à mon avis qui sera très ouvert ces deux équipes ont besoin d'engranger les trois points parce que derrière il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria. Donc c'est le match le plus décisif. Et en parlant de ce Côte d'Ivoire-Nigéria, eh n'oubliez pas hein, que euh, ce sera la deuxième rencontre de la journée. Voilà le gros choc hein, de cette poule A. Euh, coup d'envoi euh, 17h, mais nous, on sera là en plateau à partir de 16h10 pour euh, vivre euh, cet avant-match. Et puis, euh, Malik Traoré hein, et sera du côté des Bimpes avec euh, ses deux consultants, Didier Drogba et Djibril Sissé. Voilà, pour vous donner toutes les informations, pour vous donner la température hein, du côté des Bimpes. En tout cas, nous, on va on se préparer, hein, oui, parce qu'on voit hein, la, la foule qui commence à être en, en délire hein, du côté euh, du stade olympique à la San Ouattara de pour cette rencontre Guinée-Équatoriale-Guinée-Bissau. Les joueurs euh, sont pas très loin hein, de sortir. Voilà, on a commencé à euh, bah, mettre tout le dispositif en place. Voilà, ils ont commencé. Donc, je pense qu'on va pouvoir prendre la direction hein, du stade des Bimpe. Et nous, on se retrouve à la mi-temps, à tout à l'heure. Rappelez son retard. Et là, il s'est obligé hein, de toucher le ballon et puis malheureusement, il est, il est dans le cadre et ça fait but. Voilà, mais c'était difficile pour le défenseur. D'accord. Et puis il y a eu euh, cet imbroglio hein, qu'il y a eu à la fin de la première période. On va revenir dessus euh, juste après la pub. Pour le moment, eh bien, on marque une toute petite pause à tout de suite. C'est la, la pause du côté du stade olympique à la San ouattara des Bimpe, hein, entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, avec un score euh, paritaire, oui, un but partout, euh, de part et d'autre. Une première mi-temps assez euh, assez homogène, assez équilibrée. Euh, et euh, messieurs, bah justement, euh, quelle équipe vous a le plus convaincu dans cette première période Thierry si, Joël Oui, une mi-temps amplement joué par les deux équipes, et la guinée équatoriale a, a eu ses moments forts, et elle met, le, elle met le premier but. Et après, euh, la Guinée-Bissau a commencé à rentrer dans le match, et on avait l'égalisation, mais c'est vrai que c'était un match équilibré. Et moi, pour moi, la Guinée-Bissau -la, la, la, la guinée a pris un peu un ascendant sur, sur ce match-là. Juste après légalisation, bah, ils ont eu le pénalty euh, qui a été refusé, mais à vitesse réelle, il y a pénalty. Bon, on reviendra dessus, on reviendra voilà. sur l'action. Euh, euh... Parce qu'on n'est pas tous d'accord là pour le coup. Bon, <laughs> moi, en tout cas, pour moi, euh, la Guinée, la Guinée euh, Bissau, elle, elle a C'est dur. D'accord. Oui, la vie est partagée. Euh, on verra sans doute les stats aussi. Hein, mais on, on aura remarqué que la Guinée-Bissau a vraiment pris le pas sur cette équipe euh, équato. Elle a bien commencé le match, elle a été très agressive. Elle est allé à l'abordage, on a vu des, euh, des opportunités qu'elle a pu se créer. C'est vrai que c'était solide hein, derrière. Le plan de jeu de euh, la Guinée équatoriale a été respecté. C'était de faire un bloc et de jouer par contre. Et puis voilà, ça a réussi sur le premier but euh, qu'il marque. Voilà, C'est une erreur défensive de cette équipe Guinée-Bissau, mais voilà, mais globalement, je veux dire que l'avantage est pour moi, en tout cas pour cette première mi-temps, côté Guinée-Bissau. D'accord. Euh, en ce qui concerne euh, la Guinée équatoriale, on a l'impression qu'après son premier but, euh, elle est un petit peu restée sur ses acquis. Euh, comment on peut expliquer ça Oui, c'est ça, c'est malheureusement un peu le problème de beaucoup d'équipes. Euh, on est tellement... Euh, il y a tellement cette envie de marquer le premier but pour se mettre à l'abri qu'on en oublie justement les bases, on en oublie certaines, ouais, certaines, certaines bases, c'est-à-dire de tout de suite rester en bloc, de penser tout de suite à défendre pour ne pas prendre tout de suite ce but derrière. Et on a vu beaucoup d'équipes prendre des buts rapidement comme ça après avoir marqué le premier but. Donc voilà, on a voilà, une équipe équatorienne qui a maîtrisé un petit peu son sujet, mais j'ai trouvé que justement, il maîtrisait un petit peu trop. Des fois qu'on respecte trop le plan, et eh ben on oublie de justement d'aller un peu chercher un peu plus. Chose que la Guinée-Bissau a, a fait. Euh, voilà, elle a allié, elle a été beaucoup plus tranchante. Et je pense que pour l'instant, ce score de parité est, est amplement mérité par les deux équipes. Maintenant, voilà, on va voir la deuxième mi-temps, mais voilà, il faut, comme je le disais, c'est l'équipe qui va le montrer le plus d'envie, qui va, qui va vraiment euh, passer, et que le but c'est de ne pas dépendre des autres résultats. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui euh, L'une des deux équipes sort avec un bon résultat. Absolument. Alors, le, le point de discorde hein, de cette première mi-temps, ça s'est passé à la fin, euh, avec euh, bah, cette action. Effectivement, le ah, oui. temps passe, euh, il va, ah, oui. il va, il va bah, checker lui, la VAR, euh... voilà. Et ce que... Voilà, alors, euh, l'arbitre euh, concède le penalty dans un premier temps, et puis ensuite, il va checker la VAR, et finalement, il annule ce penalty. Alors, est-ce qu'il y avait pénalty ou pas Babou Eric Pour moi, il y a clairement pénalty. J'aime oublier que la VAR, c'est aussi des hommes, hein. Qui sont là-bas pour le défenseur. Mais là, dans le cas d'Espèce, il ne touche pas le ballon. Ça fait qu'en en fait, il est venu juste pour empêcher l'attaquant de jouer. Donc, il y a clairement anti-jeu. Donc, pour moi, il y a pénalty. D'accord. Mickaël Poté Ouais, ça avait Fut un temps, je pense qu'il n'y aura pas eu hésitation. C'est-à-dire que maintenant, on a... la technologie fait qu'on peut regarder plus près. Mais à vitesse réelle, c'est vrai que ça paraît assez clair. Mais après, quand on revoit les images, effectivement, euh, moi personnellement en tant qu'attaquant, ça m'est déjà arrivé ce genre de situation et la plupart du temps si on shoote le pied de l'autre, malheureusement c'est pas pénalty. D'accord, bon en tout cas ça fait toujours euh, un but partout. On va reprendre la direction du stade des BIMP pour la deuxième période entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau à tout à l'heure. Fin de la rencontre hein, entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. La Guinée équatoriale euh, qui, euh, ben oui, qui a marqué quatre très beaux buts. Euh, on a pensé, hein, on a espéré une petite remontada vers la fin hein, de la part des... De... Des Bissau-Guinéens. Mais non, finalement, ça n'a pas suffi. Euh, en tout cas, la Guinée équatoriale qui prend provisoirement la tête du groupe A avec 4 points, la Guinée-Bissau, eh ben, en bas du tableau, hein, euh, qui reste à 0 points. Alors, euh, Mickaël Poté, votre avis général sur cette rencontre Est-ce que la logique a été respectée Oui, la logique a été respectée. On avait <coughs> hâte de voir comment la Guinée-Bissau allait réagir après leur premier match. Bon, on a, finalement, ils ont malheureusement confirmé leur lacune, leur lacune défensive et leur manque d'adresse devant le but. Donc euh, par contre, la Guinée équatoriale a bien su gérer le match, que ce soit en première, voire en deuxième mi-temps, de tuer le match. Donc euh, voilà, je pense que pour l'instant, voilà, on va prendre encore plus au sérieux qu'on ne l'a pris. C'est une équipe qui a, qui a su profiter des erreurs de, de l'équipe adresse de, de la Guinée-Bissau, et c'est une équipe qui a, qui a en deuxième mi-temps, qui s'est donné les moyens pour, 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 pour aller chercher cette victoire. Et voilà, aujourd'hui, ils ont un pied en, pour le deuxième tour. Mm -hmm. Je pense que le dernier match contre la Côte d'Ivoire, ben, bon, ils vont baisser un peu le pavillon. Quoi. On espère, en tout cas, on espère. Ouais. Euh, J'avais posé cette question hein, lors de l'avant-match. J'avais parlé de la défense de la Guinée-Bissau. Bon, est-ce que c'est vraiment ça qui leur a fait défaut aujourd'hui Oui, exactement. C'est là où ça a été le pied d'agile hein, de cette équipe-là. Vous avez vu les deux premiers buts, c'est deux buts. Autres. En tout cas, euh, bravo hein, à la Guinée équatoriale qui euh, remporte donc ce deuxième match. Euh, quatre buts à deux. Alors, ne bougez pas parce qu'il va se passer plein, 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 plein de choses. On va euh, tout simplement remercier Michael Poté qu'on retrouvera euh, tout à l'heure hein, pour la troisième ça. rencontre. Merci à Thierry Joël. Euh, mais ne bougez pas, hein, messieurs. Euh, vous, Eric Pabou, bah, vous restez avec moi, d'accord Je ne vous quitte pas. Et euh, vous savez que NCI vous gâte, oui, puisque depuis samedi, on vous propose de jouer avec nous pour gagner de nombreux lots. C'est le moment de découvrir notre premier gagnant. Il y en aura beaucoup d'autres, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler Assa Richemont-Aka qui a joué avec nous samedi et qui remporte un super réfrigérateur de la marque Nasco. On va l'applaudir très très fort. Félicitations. Eh bien voilà, on est super content de vous offrir ce réfrigérateur de la part de Nasco. J'allais vous demander votre pronostic pour le prochain match. Oui D'accord. Dans le match précédent. Mais comme vous n'avez pas de micro, allez, dites-le moi à l'oreille, comme ça je vais le dire à tous les téléspectateurs. Allez, 2-1 pour qui Évidemment, 2-1 pour la Côte d'Ivoire Donnez rendez-vous dans quelques minutes hein, aux téléspectateurs pour la rencontre qu'on attend tous Côte d'Ivoire, Nigeria. Est-ce que je peux avoir du bruit de la part des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire de l'hospitalité et eh bien et eh bien et eh bien et eh bien vous savez qu'il y a beaucoup de tél... de supporters du Nigeria qui sont également sur le plateau fait du bruit ouais ouais Ce sera dans quelques minutes. Alors, vous savez quoi, euh, Richemont eh, C'est un super réfrigérateur de la marque Smart Technology que vous venez de gagner. Je pense que ça peut s'applaudir encore. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite.